Bonjour, je m'appelle Vincent Puren et je fais partie de la direction de Future for Care. Future for Care, c'est une ambition et c'est deux métiers. L'ambition, c'est de devenir l'écosystème d'excellence en e-santé à l'échelle européenne. Les deux métiers, c'est d'abord l'accélération de start-up. Avec une spécificité, on s'intéresse aux sociétés dans une phase intermédiaire de leur développement pour devenir des scale-up. Et le deuxième métier, c'est un institut. L'institut dont le métier est à la fois d'acculturer les grands groupes, mais aussi de les accompagner dans leur transition, notamment via des travaux dans notre institut qui s'appelle le Think Tank, donc au sein d'un Think Tank, pour faire bouger les lignes dans cet écosystème de la e-santé. Ensuite, pour vous parler d'Innovacom, Innovacom fait partie à part entière des fondateurs de Future for Care. Future for Care a été créé par Sanofi, Orange et Innovacom, Capgemini et Generali. Et donc, Innovacom a un positionnement qui est assez particulier, intéressant et utile pour nous, puisqu'il se positionne à la fois entre les startups et les grands groupes, puisque Innovacom, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est une très belle ETI, mais intégrée au sein d'une grande entreprise. Donc, c'est une double culture. Ensuite, c'est la légitimité et le label de confiance que nous apporte Innovacom qui est intéressant, parce qu'Innovacom est connu un peu partout comme la société, une des grandes sociétés autour de la data de santé. Et donc, cette structure, Innovacom, nous apporte à la fois des connaissances sur notre politique data, la politique data étant au centre de notre modèle. Comment est-ce qu'on collecte des jeux de données? Comment est-ce que derrière on les partage? Comment est-ce qu'on avance sur nos travaux de recherche autour de la donnée? De manière générale, c'est un soutien, c'est un appui qui est indispensable autour de ces sujets de data. En tant que filiale santé d'Orange Business Services, Innovacom a l'objectif de leader la santé digitale pour le groupe, pour le B2B, et que Orange, en tant qu'actionnaire fondateur, est un acteur important de ce projet. Et c'est vrai que nous, en tant qu'à la fois, on est une entreprise à la fois petite à l'échelle du groupe Orange, mais aussi avec la force de ce groupe-là. C'était important qu'on puisse investir de notre temps auprès d'acteurs, alors que ce soit des industriels comme Cap, Sanofi ou Generali, et d'autres qui vont ensuite rejoindre cette initiative, mais aussi surtout de start-up qui vont créer un petit peu l'innovation, qui vont créer toute la dynamique. Et on se rend compte qu'ils rencontrent les mêmes problématiques que ce qu'on a rencontré nous ces 10 dernières années, autour du développement à l'international, autour de l'industrialisation de leurs solutions, autour du recrutement. Et tout ça, on peut échanger avec eux pour les aider à passer un cap. Voilà. Et après, enfin, bien entendu, le sujet de la data, qui est un sujet cœur pour nous, hein, c'est notre métier, la data, depuis 15 ans. On accompagne les hôpitaux, les acteurs de santé à mieux gérer leurs données. Et lorsqu'on nous a dit la data est au centre du projet et doit aider les startups à accélérer et à améliorer leurs solutions, on s'est senti investi par la tâche. Voilà.